me dis, ah oui, ça marche pas. Donc je me suis arrêté là. Par contre, le truc, il a bugué Je me parce que suis j'ai dû arrêté faire là. marche arrière et marche Par avant contre, pour le aller me truc, il a remettre de bugué parce que l'essence. j'ai J'ai dû dû faire arrêter. marche. Bonjour à tous! C'est quoi pour les phares, tu m'avais dit déjà? Le raccourci? F4? Ah ouais, merci. Bonjour à tous, donc Ouais, je disais, vas-y. Tout à bienvenue fait. pour une nouvelle aventure avec Jackie et Michel. Salut Michel! Salut, Jacques. Comment ça va bien? Bah écoute, ça va bien, hein. On Alors, est parti, comme t'as dit, pour un petit trajet, mais ouais. un triple remorque Épisode et spécial aujourd'hui. Tournez à gauche. voilà, j'ai fait le plein. Parce que on a eu un peu. Enfin, Michel a eu un petit Tournez souci à avec droite. Mise à jour son qui ordinateur. dure. Mise à jour qui traîne comme d'hab, C'est hein, ils ça. te préviennent à la dernière seconde. Ah oui, c'est vrai, on va mettre. Non, pas ça. On va mettre les phares, on sait jamais. Ouais, je les ai mis comme ça, je suis tranquille d'office. Comme il est déjà 19h, in-game, je me suis dit, je vais me faire banane. En solo, par contre, je me suis fait banane 0 fois pour finir les cadeaux. Ça montre à quel point c'est dégueulasse. Alors que la dernière fois qu'on a fait notre session, j'avais mis les phares, il m'avait banane une fois, donc je les ai mis. Et C'est à je me suis droite. fait banane une deuxième fois. Et oui, donc nous ne livrons plus de cadeaux parce que c'est fini l'event. L'event est fini, hein. Adieu les cadeaux. On a livré tous nos cadeaux. On a respecté le bordereau de livraison. Ouais, on a eu nos petits cadeaux surtout. Eh oui. Ah ouais, c'est vrai qu'on aurait eu. J'ai pas mis. En fait, les trucs qu'on a gagnés, c'est des trucs pour l'intérieur. Pour la cabine. Donc, on a eu un casse-noisette, un chevalier casse-noisette, je sais plus comment ils appellent ça. Tenez la gauche, puis tournez à On se gauche. met sur la voie de gauche et on va tourner à gauche. On a eu un cheval en bois, je crois, une Le mec qui souris. fait des Tournez queues de à gauche. transpo comme ça, l'air de rien. On a eu des petits trucs à Des mettre petits sur cadeaux. le tableau de bord. Des petits jouets de déco. Et on a eu une guirlande lumineuse à mettre sur notre camion à l'avant, enfin à l'avant en fait, surtout l'avant du camion. Ah, c'est ça le truc light. Ouais. En fait, tu Ok. te rappelles les trucs qu'ils avaient mis autour du. Ouais, sur les remorques là. Sur les remorques, ben on l'a. Ah, ça c'est cool ça. J'aimais bien. C'est quelque chose que j'aime bien. Faudrait que je le mette. Pardon. On peut le mettre que sur un camion ou on peut le mettre sur plusieurs camions? Sur tous les camions. Ah, ça c'est cool. Ah, on va se mettre à droite. Tenez la droite, puis tournez à T'aurais pu droite. anticiper, hein. Oh putain, le contre-jour. Ah oui, magnifique. Tournez à Ouais, droite. Et on descendre mon tourne à droite. pare-soleil. Et on tourne à droite. Ce fut une belle balade. Je freine, il y a une barrière. T'es surtout au milieu de la route. Bon, il n'y a personne dans l'entreprise. Je me suis dit, voilà. Et Oh. alors? Oh, punaise! Qu'est-ce qu'il y a? T'es arrivé à fond? Non, non, c'est que y a pas beaucoup de place pour que je fasse demi-tour, je me mette à cul, quoi. Attends, il est où moi mon camion? Ma remorque? Parce que moi je crois qu'elle est au fond. Toi elle est là, mais pas moi il me semble. J'ai un doute. Attends, où est-ce qu'elle est que j'arrive à lire? Ah C'est ouais, pas moi c'est celle-là? bien au C'est fond. pas celle sur ta Non, droite? non. Non? Non, non, moi c'est au fond là-bas, tout derrière. D'accord. Il va falloir que je sorte avec. Alors moi si j'ai bien vu, elle est cachée là. Elle est là. Alors attends, faut que je fasse une petite marche arrière là. Voilà. On va essayer de pas toucher le grillage. C'est quoi ce délire? Allez, mode fenêtre, je te fais ça. Ok. Oh le Michel, il devient bon. Je peux pas m'accrocher? T'es sûr que t'es sur la bonne? Bah ouais.
Je le vois, il est devant moi, le bris. Et t'es bien mis dessus. T'es du bon côté. Ah oui. Non. Enfin si. Non, j'ai pas eu de problème, moi je suis accroché. Alors triple remorque, hein, on va attendre Jackie. Prêt à ça y est. Il voulait pas au début. Ah, mais des fois c'est parce qu'il y a un petit millimètre, t'es pas bien mis. Allez, on essaye de se la jouer normal. Ah, ça va être fandard. Pourquoi les feux s'étaient éteints ? Là, on est parti pour 80 miles, mais il va falloir la jouer tranquille. Ah, je suis derrière toi. Ouais. La triple remorque, là, dans les virages, on va bien la sentir. Allez, c'est parti ! Ah merde, putain, c'est vrai, tu passes la remorque, elle reste. Je croyais que c'était toi au début, mais non. Eh ben non, faut attendre qu'elle... Ouh là là. Ouh là là. C'est bon. T'es en vue interne ou... Non, là je suis en extérieur, mais après, quand je suis en entreprise, je me mets à l'extérieur pour voir s'il n'y a pas un petit truc qui dépasse. C'est pour ça que je posais la question. Et après, je me mets en vue... Parce que comme je sais que ça t'arrive de faire les deux, la barrière te referme pas, s'il te plaît, merci. Voilà. Vas-y, tu passes. Vas-y, t'es bon. J'ai oublié que j'en avais trop. Oh putain. Non, les voitures. Vas-y, emboîte-moi le pas. Ah ouais, le long load là. Oh là là. Mais moi j'ai les voitures là où t'es, hein. J'ai un coupé qui s'est mis en plein... Oh là là, je passerai pas à cause du coupé. Oh là là, en plus il y a un feu. Ah c'est bon, t'es vert. Non, il faut pas que j'arrache le poteau. Putain, je passe pas. Tenez la gauche. Oh, la troisième remorque. Tournez à gauche. Bon, je suis bloqué au feu avec le coupé. Ouais, je... Je suis au feu aussi. Mais j'ai réussi à sortir. Normalement, je suis bon. Oh putain, ouais, je suis presque. Oh là là, comment j'empiète un peu partout. Il y a une triple remorque derrière toi. Ah, sur ta droite, regarde. Je crois que c'est une triple ou une double, j'ai pas bien double. Vu. Double. Double de chez Walmart. Ah oui, on voit qu'elle est plus avant. Ça y est, j'avance. Bah, moi, c'est toujours rouge pour l'instant. Non, mais le délire, c'est que moi, je suis en biais sur deux voies, sur la voie de gauche et la voie du milieu. C'est bon, j'avance. Oh là là là, je crois que c'est... J'ai plus le souvenir de quand j'avais pris une triple remorque. J'ai déjà fait, mais j'ai plus le souvenir. Bah je t'avoue que je l'ai déjà fait, mais ça fait un petit moment, ouais. Je t'attends au niveau de l'échangeur, enfin au niveau de l'entrée. Bah là je suis au feu, hein. J'attends, ça va être mon tour, je crois, dans pas longtemps. J'imagine que c'est d'abord à droite. Ouais, c'est j'espère qu'il n'y a personne qui va s'engager, mais normalement c'est bon. Ah, j'ai un camion là-bas, c'est bon, je suis vert pour l'instant. Non, je pense pas parce que je suis le seul qui tourne à gauche. Putain, en plus avec le noir ça va être fandard, surtout en arrivant. Parce qu'on est censé arriver dans une heure. Donc c'est censé être voyage assez court normalement. Ouais, ouais, non mais t'as pas à te garer en fait quand tu fais, je crois, c'est soit tu te gares tout droit ou tu mets... Je suis derrière toi. Ouais, j'avance. Tu te mets au truc de... Ouais, non mais il faut y arriver, des fois l'entrée elle est un peu sadique, tu sais... Ah oui, l'entrée... Bah tu sais quoi, un coup j'ai fait un convoi exceptionnel. Et ben... En voie de gauche, hein. J'ai mis... ouais. J'ai mis 10 minutes, enfin pas 10 minutes, ouais, un bon 5 minutes, entre 5 et 10 minutes pour sortir de... pour démarrer en fait, parce que j'ai tourné, j'étais coincé. Ouais, non mais ça arrive. J'avais à gripper donc... Et t'agrippes un tout petit peu un bout de remorque et bah t'es mort. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. J'ai fait des marches arrière, des manœuvres. C'est comme ça que j'ai eu mon accident. Je te parlais en off là, juste avant sur les dernières livraisons de cadeaux. C'est ça. En fait, j'ai voulu arriver, mais en fait, il fallait tourner à droite et l'entrée de l'entreprise c'était tout de suite à droite. Ah oui.
Ce qui fait que j'ai voulu tourner, mais j'étais tellement trop sec que j'ai dû faire une petite marche arrière pour me remettre bien parce que je passais pas jusqu'au truc vert pour valider. Et en fait, y a une voiture qui a pop derrière moi alors qu'il devait y avoir ma remorque qui prenait toute la place. Mais elle a pop dans ma remorque, la voiture. Et genre, elle a dû voir que je faisais une marche arrière, mais non. Elle a continué son délire, elle a fait ce qu'elle sait bien faire, ça veut dire rester bien planté pour te gêner. Oh putain, le retour des frites, ça c'est pas bon. Pas avec la triple remorque, les gars. S'il vous plaît. Bon, le plus gros, ça va être ça, de toute façon. Hein. Je pense on va être tranquille parce qu'on va faire surtout de l'autoroute. Ah, quoi que c'est du 60 maintenant, vas-y, monte. Monte, Coco. Ouais, j'étais à 55. Aussi. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi, donc j'accélère un peu. Ah, j'avais mis le régulateur à 55. Oh putain, les petits lags, ça c'est pas bon. Même pas beaucoup ça. Surtout quand il y a des voitures qui font des queues de poisson devant et qui ralentissent quand elles font la queue de poisson. Ça j'adore. Oh putain, le petit virage là. Putain, c'est moi qui vais avoir les lags aujourd'hui encore. Ouais, il y a une voiture derrière toi, elle t'a fait une queue de poisson. Elle s'est collée à ta remorque, mais vraiment, t'as une voiture à moins d'un mètre derrière toi. Ouais, ils font n'importe quoi. Je sais pas ce qu'elle... Ah, maintenant, ça y est, elle te redouble par la gauche, elles sont deux. Ah non, elle se remet à droite. Elle sait pas ce qu'elle veut. Si, j'en ai une qui double. Ouais, mais c'est pas elle, c'est celle elle qui essaie de 55. Ah bah... Accident. Oh non, c'est dégueulasse. Non, double accident. Non, c'est dégueulasse, le lag. Ah non, j'ai tapé. Oh non, ça c'est dégueulasse. Voilà, me taper des repas gratuites dans le virage. Non, mais pourquoi ça lag comme ça? Ah là 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 là. Non, mais c'est chiant, ça le faisait pas au début quand ils ont mis le multi. Hein. Putain, pourtant, j'ai joué en mode solo, zéro droite, souci. Hein. Puis sortez à droite. J'ai eu franchement un micro lag sur 3 missions. Ouais, vraiment non, mais... léger, infime. Ouais, la synchro, elle est un peu dégueulasse. Il ouais. Faudrait qu'il revoie ça parce que j'ai l'impression que comparé au début, c'est moins stable que quand il y a eu la mise à jour. Je suis sorti. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu. Non, mais à chaque fois, ça me coûte du pognon quoi. Parce que là, j'ai vraiment tapé le camion. Oh là là. Le problème, c'est qu'après, c'est pour ça que je suis pas serein, que j'ai des petits accrochages ou des petits trucs après. Je tiens à le dire. Que voilà, en solo, j'ai pas de lag, je joue bien. En sachant que c'est là où je suis le moins concentré normalement. Ouais. Après, parce que t'es pas là. Après, il y a une autre solution. Hein. Laquelle? Pour tourner sur 3KMP. Hein. Ouais. Il y avait pas de lag. Enfin. Non, il n'y en avait pas. Tenez la ouais, mais il n'y a pas les convois et tout pour gagner du temps. Et vu les problèmes en ce moment qu'on a pour les choix d'émission, on n'a pas les mêmes. C'est ça le problème. Il n'y a pas le convoi et il n'y a pas les... Mais j'avoue que pour ça, c'était un peu moins chiant. Ouais. Pas les voitures et ils ont rajouté un système d'événements. Tenez la droite. Puis sortez à droite. En gros, il te faut faire des... Sur certaines routes, en fait, il y a des... Comment on appelle ça? Sortez à droite. Allez, faut tu te mettes sur la gauche, hein. Je sais pas sur quelle voie tu es. Je suis au milieu, mais ça y est, je suis arrivé. Ah, ok. Non, bah c'était pas toi, alors, devant le camion. Ah oui, en même temps, c'était c'est pas une vraie sortie. À tourner à droite. C'était une fake. Oh, putain. Non, ça va. Ah oui, mais en fait, ouais, mon accident, je vois, t'es super loin en fait. C'est à cause de ça, le lag, ça m'a carrément fait perdre de vue ton camion. Toi, t'étais déjà à la sortie suivante. Je vois ça. Ah ouais, c'est une fin d'autoroute en fait. Bon, c'est là que ça se joue. C'est ça l'idée. Préparez-vous à tourner à gauche. Oh putain, en plus j'ai un camion devant moi qui va faire... Non, ça va, il va pas mettre une semaine. Là, je me suis tapé deux fois le train dans une course c'est aussi. Que ça se termine.
quand j'ai fait la livraison. J'étais content. Je me suis dit cool pour une fois. Ça y est, t'es arrivé? Ouais. J'ai même pas cherché à me garer. Hein. Ouais, non, moi je me doute. Bah moi je suis au feu. Je suis en train de passer. Bon, je l'ai fait pour l'expérience. Hein. Enfin, pas l'expérience qu'on va gagner, mais l'expérience personnelle. Le fait de faire un trajet avec trois remorques comme ça, machin. Parce qu'on a gagné que 4000... Ouais, c'était un micro-trajet, ouais. Bah, moi, je suis carotte parce que sur ce que j'ai gagné, je vais redonner au moins presque la moitié. Non. Avec le double accident. Bah, j'en ai pour 1000 à 2000$. Hein. Non, l'assurance, ça va. Ah, je te promets. Et si j'ai 8% de dégâts sur le camion, je peux dire que les 1000, mais 2000, je suis pas loin. Quasi sûr. Je réglerai ça plus tard. Ah, bon. Ok. Alors, tu choisis un nouveau trajet. Alors, bon, je Eugene... en même temps. Allez, synchro. On est où, nous, Eugène? Ouais. On veut aller, donc on a dit, soit vers le nord, soit vers l'est. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors moi, de mon côté, tiens, c'est pas des gros trajets. Alors, hein. J'ai... Un Coos Bay, c'est de la merde. J'ai un Oakburn. C'est où ça, Oakburn? Utah. Donc Utah. On traverse Oregon, on traverse une partie de l'Idaho, et... À l'entrée de l'Utah. Ogden? Ouais, juste en dessous de Logan. Ouais, ouais, je vois où c'est, là, je l'ai. Bah, vas-y, tente. Bon, ça me paraît intéressant. C'est des vêtements. Surtout que la dernière fois qu'on a traversé, on était sous une pluie torrentielle, ce qui fait qu'on n'a rien vu d'intéressant, finalement. Ah bah là, on entre, hein, donc... Allons-y. Ah, j'ai pas le droit. Ah, purée. Voilà, toujours ce truc du DLC, on sait pas ce que c'est. Mais c'est quel DLC? Fait chier, quoi. Ouais, je sais pas, j'avoue que... Alors ça... Chaque fois, ils disent DLC, mais... Ouais, ils précisent pas, en plus. On ça, a, c'est on chiant. A les mêmes, je crois, non? Bah oui, à part une ou deux conneries. Je crois qu'il doit... Ouais, faudrait que j'enlève un ou deux. Parce que le seul truc différent que t'avais, c'était les pneus et... Non, c'est pas les cargo et tout, je les ai. Je pense que c'est cargo... Je crois que c'est spécial que j'ai, et que toi, tu l'as pas. Ah, peut-être, spécial ouais. Transport, ouais. Ou un truc comme ça. Et ça n'a rien possible. À voir, c'est ça qui est chiant, donc bon. Bah oui, parce que des fois, c'est des trucs qu'on a. Alors, je regarde ce que j'ai de mon côté. On hein. Repart à Washington, j'en ai deux qui repartent à Washington, mais... Vas-y, qu'est-ce que tu as proposé? Bah non, j'ai l'impression que c'est le même... Essaye de trouver, toi. Bah attends, je regarde, parce j'ai que j'ai pas de que... trucs de fou. J'ai que des petites coups. Non mais pourquoi... Ah mais ils sont pas rangés. Ah c'est par prix donc attends. Prix kilométrique. Je vais les ranger. Ouais ouais. Prix kilométrique faut mettre ou ouais. Kilomètre. Prix kilométrique. Et Vers le haut ou vers le bas? Je sais plus. Vers le bas. Non je dirais vers le haut parce que je l'ai à l'envers là j'ai l'impression. Non non j'ai mis et... Je sais pas. Ouais, mais non. Ouais, non, bah non, parce que c'est le prix au kilomètre, c'est pour ça. Ouais, donc vers le bas ou vers le haut, en vrai, ça change pas grand-chose. Okay. Non, c'est vers le bas, comme c'est pas, c'est le plus riche. Ouais. Alors. Alors j'en ai un, c'est un bulldozer lourd. Est-ce que tu vas pouvoir le transporter? Bah logiquement oui, les bulldozers, je peux faire. Hein. Washington, Colville. Bah vas-y, essaye. Hein. Je regarde en attendant ce que j'ai. Je tente. Tu me dis. Hop, alors attends, je ressors. Ouais, c'est bon. C'est bon. 100 miles. Soyez prudent. Ah non, ah, attends, le truc qui s'est mis après, vous ne possédez pas. Putain, pourtant les porte-engins, j'ai, c'est débile, je peux les faire, j'ai déjà fait ces missions. C'est ça qui est débile, hein. Je vois pas ce qui bloque, ouais. Ouais, c'est parce qu'il avait pas mis à jour ce bah, début. Tu sais là. Quoi? Fais-le, je te rachète.
Bah attends, je vais essayer de trouver quelque chose parce que. Je te laisse choisir. Parce que là, ça commence à me... C'est prise de tétine, là. Mais j'ai beaucoup de Nevada, moi. Un triple remorque. Non, mais c'est le problème, c'est que c'est pas des missions de fou, quoi. Elles sont les missions à 30-40 000 dollars. Ah, en même temps, on est dans une petite ville qui s'appelle Eugene, Ouais, enfin non, mais c'est Eugene, ça. et Ouais, mais dans ça dépend. Salem aussi, Je pense hein. que ça J'avais dépend la pas un ville, truc de quoi. ouf. Ah oui, non, Salem aussi, hein, c'est pas fou non plus, hein. J'avoue que c'est Je pense pas. qu'on aurait été à LA ou des trucs comme ça propose plus ou J'ai peut-être pas Portland en forcément. triple remorque. Petit trajet de 127 miles, un peu plus grand que ce qu'on vient de faire. Après, le problème, c'est que ça va être des plus petits trajets, je pense encore. Mais c'est du 6 000 dollars là au lieu de 4 000. Sinon, après, un vraiment gros trajet. Les plus gros, c'est pas ouf, hein. Après, sinon, c'est le problème, c'est que c'est l'Arizona, Phoenix, dans les plus gros. Qu'est-ce que j'ai? Californie, Nevada. Ouais, sinon c'est le Nevada, hein, Las Vegas. Ah, Qu'est-ce qu'on a? Phoenix. J'ai Echo. un petit Vegas, non? À moins que ce soit trop long, Vegas. Vegas, qu'est-ce que ça donne? Il est où Vegas? Vegas, c'est du 885. Ouais, on a le temps de se le faire. Pourquoi pas on se finit là-dessus? Ouais. C'est du 30-40 000 dollars, donc au moins on se fait une vraie truc pour rattraper la petite course qu'on vient de se faire. Vegas, baby. C'est du meuble. Non, parce que je lisais, il y avait du feu d'artifice juste au-dessus. Ah oui. Ouais. Mais c'était Fresno. Un petit meuble. Un petit meuble. Ouais, Attends, je regarde des juste meubles. vite fait s'il n'y avait pas un truc. Des meubles pour mettre dans les... Parce que sinon j'avais du bulldozer pour aller à Reno. Des chambres d'hôtel. C'est vrai qu'avant j'habitais Reno. J'ai commencé à Reno. Réservoir pressurisé. Non, après c'est du petit trajet, c'est de la merde. Oh ouais, Vegas. Vegas, c'est bien. J'ai Ça fait longtemps vu. qu'on n'a pas été à Vegas ensemble. Ouais. Moi j'y ai été il n'y a pas très longtemps, mais. Ah, il faut pas que je prenne. Il faut que j'aille chercher la remorque, non? Je ne sais plus. Non, ça Tant va. que. Ils me disent que c'est bon. Non, c'est bon, tu veux y aller aussi? Eh bah, ben, tu sais quoi, je vais aller chercher la remorque et je débuterai la mission avec la remorque dans le prochain épisode, moi. Hop Je ferai là. la coupure après. Parce que comme on est qu'à 20 Et ça minutes, serait on est là, on Wyoming. chill On y entre va. amis. Black Hill. Avec Ah, Jackie. ah bah elle est là. Oh, bah ouais, cool, elle est derrière. Par contre, faut faire demi-tour. Je vais essayer de le faire tout en marche arrière. Non, non, attention, la petite pente. Il y a une petite barrière. Alors, elle est au fond, moi, dans le recoin. Putain, je deviens un pro de la marche arrière en vue intérieure. Je te fais ça à la fenêtre, moi. Alors, ma remorque, elle est là. Bon, c'est de la remorque simple, hein. Ouais. Mais bon, de temps en temps, faut se faire. On est là aussi pour la thune, faut le dire. Je pense que t'es d'accord avec moi. Moi, je dis que de temps en temps, faut être là aussi pour Il l'argent. est temps d'aller travailler. On est là pour ramasser un peu. Ouais. T'es bon en essence? Ouais. Alors attends. On va faire la coupure ici. 2 secondes. Ok, comme ça on est parti, on se fait un épisode spécial Go to Vegas. Las Vegas. Viva Las Vegas. Oh putain, je passe pas. Et non. Putain, pourtant j'ai essayé de me la jouer large. Hein.
Mais en fait, je voyais pas bien dans mon rétro intérieur. Non, non. Oh putain, on va. Oh, bordure, bordure. Ah putain, j'ai moins galéré avec une triple remorque avec ça. Tournez à droite. C'est dingue quand même. Bon, c'est rouge, ça m'arrange. Comme ça, je t'attends. Allez tout droit. C'est bon, t'es derrière. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le reflet de tes phares, tu vois, dans les rétros. C'est ça que je trouve dommage. À moins que c'est moi qui n'ai pas coché un truc, j'en sais rien, mais je crois pas. Ouais, peut-être que tu l'as mal mis. Bah, je ne sais plus, à force. Pour régler l'intensité des rétros, préparez-vous à tourner à je sais pas, élevé ou... Ah, on a le feu vert, je t'annonce. Tournez à gauche. Et fais gaffe que j'ai pas de lag. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Préparez-vous à tourner à gauche. Oh, il me tamponne le mec. Dégâts de la SMI 3%. Elle est feu rouge, monsieur. Bah, tu fallais me le dire, tu me l'as pas dit. Bah, j'étais quasiment arrêté. Ah non, il faut le dire, ces trucs-là. Le mec, j'étais arrêté en plein milieu de la route. Tu tournes, moi je m'élance et puis tu t'arrêtes d'un coup, attends. Ouais, ben on est en ville, monsieur. Ouais, mais je croyais que c'était bon, c'était parti. Il y a un feu derrière, il y a un feu, il est rouge. Ouais, bah voilà, moi je le dis quand il y a un feu, je m'arrête. Tournez à gauche. Non, mais je pensais que là, tu en plus. Bah, j'ai mis mon clignotant, monsieur. Je le vois pas clignoter. Sérieux? Bah, y est. Non, mais des fois on le voit pas. Je te confirme que moi, des fois sur tes remorques, je le vois pas non plus. Ça dépend. Bah, genre, tout dans la livraison d'avant, à un moment, tu l'avais pas et je pense que tu l'avais. Mais je te le demande même plus parce que je sais qu'en fait, tu l'as normalement. Mais que le jeu l'affiche pas tout le temps. Pas tout le temps, pas tout le temps. Effectivement. Oui. Non, mais là, sur le type de virage qu'on a pris, je pense que tu l'avais. Mais le jeu, ouais, je sais pas, autant, genre, le virage d'avant, il me l'avait affiché, et le virage d'après, il t'affiche pas que t'as mis ton clignotant sur la remorque. Des fois, c'est l'effet de lumière qui fait qu'on le voit pas, je pense. C'est assez étrange, mais voilà, c'est comme ça, je me suis fait avec, moi. Je m'embête plus. Tu vois, genre la voiture là devant qui a tourné à droite, je l'ai vue. Là où j'ai une voiture devant moi, elle fait du droite-gauche. Pour te dire, ça a même reflété sur le sol. J'ai qu'une envie, c'est de lui rentrer dedans. Tenez la droite, puis sortez à droite. On va sortir à droite. Alors j'ai ralenti un peu moi parce que je me dis on sait pas ce qu'il y a derrière. À droite. Ah l'Oregon. Bon, il y a plein de voitures qui attendent là-bas donc fais gaffe, arrive pas trop vite. Il doit y avoir un stop ou quelque chose. J'ai une voiture devant moi, je peux pas. Ah bah non non mais il y a un changement de voie. Mets-toi sur la voie de gauche dès que tu peux. Hop, mais ils ont bloqué la circulation, c'est con. Allez passe voiture, je suis sympa, je te laisse passer. Oh là là, ah oui, il doit y avoir un rétrécissement de voie, il doit y avoir un stop ou un truc au bout. Voiture, il faut y aller. Je suis sympa de te laisser passer, il faut te mettre sur la voie de gauche. Voilà. Non mais au moins ce sera un peu plus groovy que la livraison d'avant quand même, au final. Malgré qu'on n'a pas une triple remorque. Ouais. Parce que là, il y a du bordel au niveau de circulation. Il transporte quoi, lui? Il me laisse passer, ouais. Je suis derrière toi. Je m'insère. Oh là là, il fait une queue de poisson, non? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il tourne? Il y a des gyros en face. Ouais, c'est...
C'est 60 papilles. On va t'annoncer avec ta roulotte. Ben, je peux pas, ils avancent pas. Tenez la droite. Il fallait bien que je mette un coup de scie. Putain. Tenez la droite, tournez à droite. Je tourne à droite. Vas-y, je bloque. Oh putain, attention, il y a une voiture. Elle tourne à droite aussi, fais gaffe. Sortez à droite. Oh là là, elle est collée à toi, fais gaffe. Je la serre contre le mur. Ouais, t'as failli. Je te confirme. Qu'est-ce qui nous attend devant? Pas grand-chose, ça va. Je suis sur un camion. Oh non, mais je parle en termes de tracé. Oh, c'est du droit. Ouais, c'est du droit avec des voitures qui avancent pas. Je vois que t'es coincé par un camion. Ouais. Ah si, je me suis pris une amende contresens aussi la dernière fois. Oh, oh t'étais pas là. Joli. $200. Un beau contresens, là. Bon, j'avoue que j'étais sur une route comme ça, le camion devant moi il roule à 40 au lieu de 60, j'ai fini par péter les plombs. J'ai doublé au bout d'un moment, mais le problème c'est qu'après il y avait un autre, je sais plus, il y avait un camion ou une voiture qui faisait chier devant moi. En fait elle faisait gauche-droite, au lieu de rester de doubler, elle voulait pas doubler, ce qui fait qu'elle me bloquait. Et je pouvais plus me réinsérer sur la voie de droite. Alors j'ai été au bout du truc. J'ai doublé comme un sauvage tant qu'il n'y avait pas de voiture en face. Et je crois que je me suis retrouvé ouais, sur un truc, une voie au milieu où t'es pas censé être. Allez tout droit. Mais au moins j'étais safe. Attention, il y a un bus. Ouais, je vois ça, ouais. La voiture. En plus, la voiture devant moi qui freine comme une sauvage pour le clignotant, tu vois, qui s'est pas mis là. Heureusement que je la vois freiner. Mais je voyais pas son clignot. Ça dit quoi les panneaux? Ça tourne. Ça dit ça tourne et il faut le prendre à 45, ça va, je suis à 45. C'est bon. C'est bon, j'ai rattrapé mon Jackie. Aller plus vite, mais si, forcément. Si, techniquement, oui. Mais il y a un mec devant. Une voiture. Ouais, je la vois. Ah non, c'est un camion. C'est un camion, il fait chier depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais comme t'éclairais pas assez, je voyais que les phares, hein. J'ai cru que c'était une voiture au début, mais non. Et allez, on freine. Enfin, on ralentit. Moi, j'allais dire, il va peut-être tourner, mais non, il n'y a pas de. Bon, monsieur. Pas d'intersection. Putain, ils sont 7 à 55, le mec, il roule pas à 55. Mais c'est ça qui est fou, c'est que l'ordi il roule 20 km en dessous des normes. Ah, ça dépend. Des fois il roule là, bien. Il avance pas, hein. Mais quand je pense qu'il est frileux au niveau des virages, donc. Ouais, non, mais frileux et frileux, attends. J'ai envie de te dire, il a des informations qu'on n'a pas. Ah non, j'allais dire, on transporte des vêtements, mais non, enfin, depuis tout à l'heure, j'ai voulu prendre des cargaisons de vêtements, mais non. Non, des vêtements. Attends, vous voulez avec des vêtements. Je me demande si je redresserai pas mon rétro extérieur, moi. Non, mais là, c'est abusé, il roule à 25. On est d'accord que c'est problématique, quand même.
Moi qui disais on va visiter les USA en mode sans la pluie, mais finalement on se le tape dans le noir, donc on voit pas plus. Ouais, on voit pas plus. Ouais, mais on va pas vite. C'est vrai. Ouais, mais on a encore 780 bornes à faire. C'est-à-dire plus de 1000 km quand même. Environ 1002. Donc pas aller vite, c'est pas forcément juteux pour nous. Faut le savoir. Ah bah il accélère un peu d'après ce que je vois. Ouais, c'est lâché là. Ah parce que j'étais à 60 donc là je suis à 53. J'ai mis le régulateur pour l'instant à 53-54. Je me dis ça me laisse une distance de sécurité avec toi. Si le mec devant il freine encore une fois comme un taré. Parce que je vois qu'on a un petit enchaînement de virages. Le prochain il va peut-être pas aimer. Ouais, le prochain il va ralentir. Je pense, ouais. Vu la courbe, il est capable de nous lâcher. Non, tant qu'on lui dit pas qu'il faut ralentir. Ouais, il y avait pas de panneau de vitesse. Ouais, mais tout à l'heure c'était écrit 45 sur les panneaux. Lui il était à 30. Donc je veux bien que tu respectes les panneaux, mais roule au moins à 40 dans ces cas-là. Ah, j'ai eu une pensée pour toi en fait sur mes deux dernières livraisons cadeaux. J'ai vu que je faisais à peu près le même secteur. Je crois que c'était en Arizona. Je me suis tapé plein de ronds-points. Ah ouais, j'ai passé ça, mais tel un maître. Hein. Le maître du rond-point. Je suis arrivé comme un taré. Avec la cargaison. C'était dangereux. Il a ralenti. C'était un poil dangereux, mais. Ouais, je vois ça. Mais j'ai un petit peu de marge, donc ça va. Il a pas aimé le double voie. Ouais, mais ça y est, là, il a vu 60, il accélère. Bah, il serait temps parce que je suis bientôt à l'intérieur de ta remorque. Sachant que je roule à 50 hein, au lieu de 60. Alors, je tiens à dire que là, cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi la mission. Et pour l'instant j'ai zéro lag. Bon, vraiment des micro-freeze, je pense que c'est des micro-chargements. Comme des fois quand il y a les saves ou les trucs comme ça. Mais j'ai pas eu le gros lag comme ce fut le cas dans la mission précédente, je trouve ça un peu abusé quand même. Alors que c'est toi Lot. Tu choisis la mission, je me prends des bananes, je me prends double tamponnage dans la rambarde. Là c'est moi qui choisis la mission, ça se déroule bien. Coïncidence? Donc, distance de sécurité, monsieur. Je sais même pas où on est là. J'essaie de trouver un panneau depuis tout à l'heure. Ah bah tu vois, je parlais de micro chargement avec la save, on y est. Je m'en suis tapé une. Je sais pas si, à ton avis, est-ce que les saves on les a des endroits précis et tout le monde a les mêmes ou c'est le jeu qui décide selon peut-être un délai ou un truc dans le genre? Je pense que c'est un délai. Ouais. Putain, je suis à 62, calme-toi. Ah putain, je suis à 60 mais. Il avance pas. J'ai l'impression qu'il roule à 60 y a aussi. Il y a deux camions en plus. Ouais, non, mais il y a deux camions collés, alors fais gaffe, hein, parce que si tu vois pas le premier, lui qui freine et l'autre derrière, il suit. Si, il est un peu freiné. Parce que l'autre devant, c'est 50. Moi, c'est bon. On pesait, moi. Tu dois peser? Ah ouais, ça ralentit là. Ouais. Ah bah, tout le monde pèse. Ouais. Réorientation. C'est nos convois de poteaux, ça. On s'est fait des amis sur la route. Alors, c'est où, à gauche? Ouais. Ouais, je vois que tu prends à droite, toi, c'est ça.
Après, bon, ça va, le fait que tu m'aies défoncé le semi, y a pas de souci. Vas-y, passe. Tu l'as, ouais, je viens de voir. Ah, mais justement, je me posais la question pour voir si ça allait se mettre ou pas, vu qu'on en parlait. Mais c'est. Attends, mais c'est pas 15, c'est 15 ici? C'est 15, c'est parce que c'est la pesée, et en sortie de pesée, c'était encore 15. Ah, ouais, non, mais là, même sur la route de sortie de peu, la voie rapide, entre guillemets, la non, nationale, non, on va dire, c'était 15 quand même, hein. C'est pour ça que ça m'étonne. Ça aurait dû être 50 normalement. Ceux qui roulent à 50 et qui vont tout droit, ils ralentissent pas à 15 pour aller tout droit. Pour après repasser à 50 normalement. Tu continues, tu récupères la même vitesse. Un truc qui me paraît bizarre. C'est quoi? Le truc de à gauche là. L'essence et. Ouais. Comment on rentre? Non, je l'ai découvert. Mais la route pour y aller, elle est grise. Je l'ai pas découvert. Bizarre ça. T'as peut-être pas pris la bonne entrée. Je serais rentré comme un sauvage à travers la ça peinture. Ça m'étonnerait pas. Ah, ouais. C'est possible. Franchement, ça m'étonnerait pas de toi. Tiens, bah je vais. Vu que c'est câble, je vais en profiter pour te raconter mon aventure de la dernière fois. Bah vas-y, allez-y monsieur, on est là pour ça en même temps. Vu qu'on est sorti de peser, ça tombe bien, c'était juste... Histoire de peser. Allez, tout droit. Ouh, ça freine dur devant. J'ai failli le... Ah bah je t'ai dit de te méfier de ça. Hein. J'ai failli le tutoyer. C'est quoi, il y a un feu rouge? Ouais, il y avait un feu. Oh putain. J'aurais dû freiner. Ouais, j'aurais dû freiner. Ah moi je m'arrête, hein. Ah là 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 là. Alors c'est quoi ton histoire? Ton histoire de pesette? Attends, je vais te le dire une fois qu'on t'aura fini le feu rouge. Ouais, parce que c'est vrai que ça a changé quelque chose, que j'attends ton feu rouge ou pas. Ça y est, j'ai fini le feu rouge. Je viens de démarrer. Vas-y, passe. T'as fait peur aux voitures à droite ou c'est que ça avance pas? Non, c'est 55 pourtant. C'est toi qui leur as fait peur, t'es en warning. Ah oui. Non, oui. La chaussée se rétrécit. Vas-y, je bloque la route. Je me suis mis en biais, vas-y, tu peux y aller. Voilà. Parce qu'il y avait plein de bagnoles qui arrivaient derrière. On aurait été coincés sinon. J'ai l'impression qu'on était à l'époque de San Francisco Rush, c'était ça le jeu. Plus pour gagner, pour finir le jeu, il y en a un qui se sacrifiait pour l'autre, pour qu'il y en a un qui finisse en s'arranger, il fallait finir premier pour passer à la course suivante. Il y en a un qui bloquait les concurrents en étant deuxième et l'autre il finissait la course premier. Ah, le truc où ça tu... me fait penser à ça quand on s'en sert. Il y a des routes de ouf, c'était pas California Road, un truc comme ça? Je sais plus. La bande d'arcade qui était à l'Agora? Ouais. Entre les flippers, ouais, si c'est ça. Ah ouais, ah oui. Je crois que c'est California Road ou... Ouais, je mélange avec l'autre jeu, c'était sur 64 peut-être. Je sais pas s'il y avait une version. Je crois pas qu'il y avait une version arcade. Il y avait une version console. Ouais, non, mais de San Francisco Road, je crois pas qu'il y avait de version arcade. C'était une version N64, je crois. Après, il y avait eu le 2049, il me semble, un truc dans le genre. Ah non, le t'as failli partir sur le côté. Je ne dis rien.
Bah, je crois que c'est ça, il me semble. Mais je crois pas que c'était sorti sur les autres consoles. Allez, tout droit. Donc ouais, ça devait être... Ah non, c'est pas... c'est pas... California Crush. Ouais, mais ça me paraît bizarre, ouais, ce titre. Crush... Ouais, là, il y a un truc qui... Crushen USA. Crushen USA, c'est ça. Voilà. Jusqu'après, là, c'était Crushen World. Puisqu'il y avait les kangourous et tout ça en Australie. Oui, il y avait le Japon. Ouais, ça me rappelle ça quand on y jouait sur console. Et je me souviens des. Je me souviens du 2 parce que je me souviens quand tu passais vite. Et en Australie, t'avais les kangourous qui étaient sur le côté et qui te regardaient passer. Ah oui. Inspection agricole. Wow. Stop. C'était quoi ça? C'est ça, en fait. C'est inspection agricole. C'est obligatoire? Bah oui! C'est la douane californienne! Non, mais c'est pas ça, c'est que moi, t'as vu les panneaux qui séparent les deux routes? Ils ont pop d'un coup, ils étaient pas là! Bah. Moi, en fait, j'ai eu la pop qui est arrivée sur mon GPS. Et quand j'étais en train de lire, bah, j'ai pas vu les panneaux qui. Enfin, les. Mais le truc, c'est que moi, ça me l'a pas dit. Bah, moi, ça me l'a dit. Mais les panneaux, ils ont pop d'un coup, les trucs là qui servent à délimiter. Ah bah c'est normal. Comment ça c'est normal? J'y rentrais dedans. Donc forcément t'as pris ceux qui sortaient de mon camion. Ah bah non, j'aurais quand même dû les voir, t'étais déjà plus avancé. Bah non, j'étais dedans en fait, j'étais en train de les consommer en roulant dessus. Vas-y, c'est bon. Ah oui, non mais ça oui, mais ceux qui étaient derrière toi, parce que t'étais carrément quasiment en plein milieu, toi. Il y avait au moins 2 mètres qui débordaient. Et ils ont pas en même temps. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais, merde, j'essaye d'avancer, mais ma manette, elle part à gauche. Je dis, j'ai déjà pas un... Mais bien, quoi, quand je te dis, elle part à gauche, elle est bien partie à gauche. Je me suis dit, j'ai pas un méga Joy-Con drift de la mortitude. En fait, non, c'était une voiture qui était en train de me pousser. La voiture blanche, elle m'a poussé pour prendre ma place, quoi. Salaud. Ah, on profite des décors de l'Oregon, tu vois, on n'est pas nul pour une fois. Au moins, là, on profite. Je crois qu'on est en Californie. Tu penses? Bah, c'est le truc de Mexicain. Ah, ouais, ouais, mais on a la frontière, donc ça reste un côté. Il y a encore un petit côté Oregon. Ah, je parlais avant aussi. Hein. Je suis même pas sûr. Attends. Bah, je sais plus par où on passait. Attends, je vais me mettre sur le côté. Non, c'est bon. Non, si, on y est. On est en Californie? Ouais. Ou en Oregon? Non, on est en Californie. On est à quel niveau? Au nord, en haut à droite. Non, mais un nom de ville, monsieur. Bah, je viens dans le. Nom de ville. Ah, bah, je sais pas. Merde. Ça, c'est le klaxon. C'est quoi déjà la map? Ah, c'est virgule, non? Il y a Reading sur notre droite. Merde, c'est quoi? C'est table pour rétrécir? Ouais. Oh, je suis fou, moi. Je suis fou. Ah ouais, on est entre Lakeview, Reading et Reno. Ah oui, ouais, de toute façon, on voit, ça change le décor. On arrive... Pardon. On est clairement dans le Nevada, de toute façon. On va tourner à gauche. On va passer la frontière encore. Fais gaffe, il y a un stop. Hein. Ah oui, c'est moi qui te l'ai dit. Non, tu m'as dit on va tourner à gauche. Moi, je te dis, il y a un stop. Donc, il peut y avoir... Voilà, tu vois, il y avait un bus, par exemple, qui était... Ce qui voulait dire, il faut anticiper qu'il peut y avoir 2-3 mètres de voiture. Oh. Tournez à gauche. Oh putain. Fais-moi le fou. Je crois que j'ai eu un petit lag et j'ai pas pu tourner comme je voulais. J'arrivais un peu vite en plus. Allez, 6 et 40. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a une voiture qui. Quand j'ai tourné, bah, elle a pas freiné en fait. En même temps. La voiture blanche devant toi? Ouais. Ou derrière? Non, la voiture blanche, elle a tourné à droite. Ouais. Mais il y a une autre voiture blanche qui venait d'arriver de la droite. Et elle, pendant que j'ai tourné, elle a été tout droit en fait. J'étais à deux doigts de la toucher. Ouais, elle est passée devant moi. C'est bon, c'est ma place. Ouais, j'aurais dû.
mieux faire le stop en fait. Parce que j'ai pas fait le stop, je t'ai suivi. Je t'ai envoyé le pas et j'ai pas regardé à droite. Mais je me suis dit, il faut ralentir. Non, c'est des fous. Mais ralentis que dalle, toi, t'es pas prioritaire, hein, c'est toi qui as le stop. Non, mais t'as un bahut qui te passe devant, même moi dans la vraie vie, j'ai ralenti, je peux te le dire. Ah ouais, ça roule un peu vite ici. Non, 55. Non, mais moi j'étais pas à 55. J'étais en train de m'enflammer là, j'avais pas vu que j'étais en train d'accélérer à ce point là. Bah, le truc c'est qu'en fait je t'écoutais et j'ai pas fait gaffe à mon compteur de vitesse quoi. J'avoue qu'il s'emballe un peu facilement dans le coin. Bah ça roule bien ici comparé à certaines zones où ça roule à 60 et t'as du mal à monter. Alors on va tourner à droite. Ouais. Bah du coup je t'ai pas raconté bah, mes aventures. Bah non, et il y a un feu. Ah je crois. Non c'est un stop. Oh putain c'est serré, t'as intérêt de faire gaffe. Hein. Ouais j'ai l'habitude hein, quand c'est serré. Tourner à droite. Ça m'étonne pas de toi. Donc ces petites canadiennes, Jackie est reparti là-dedans. Putain, fait n'importe quoi. Ouais, mais le train il passe partout dans cette ville, c'est pas possible. Ah, la dernière fois j'ai vu un camion qui restait bloqué sur la voie quand il y avait un train. Oh. Et ben, j'étais super déçu. Parce que le train il s'est arrêté. Les trains s'arrêtent pas dans la vraie vie hein, quand ils sont lancés. Ça dépend la distance. Ah oui, si tu le sais en avance, mais le train lui sait pas qu'il y a une voiture de base. Donc quand tu le sais 10 secondes avant, excuse-moi, ou 15 secondes avant, le train il a pas le temps de s'arrêter. Il est pas au courant. Ah merde, je voulais te faire voir, mais t'as pas vu. Donc ouais tu vois j'ai failli oublier. J'étais sur le pont à gauche, j'ai vu ça la dernière fois sur peut-être un autre endroit. Des fois il y a un wagon avec des conteneurs. Mais juste un wagon avec des conteneurs posés sur les rails. Il n'y a pas de train, il y a un... Ah bah ils vont laisser en plan. Parce que la dernière fois je suis passé et je dis il y a un train qui s'est arrêté. C'était un wagon. Merde. Puis en fait non, il y a juste un wagon. J'ai shooté ma souris, moi. Mec, il shoot la souris, il regarde à gauche. Là, je regardais l'eau à gauche. Non, mais là, ma souris... Elle... Oh. Putain, il y a des voitures qui arrivent en face. Il faut que je me calme, en plus, à faire ce genre de... Ouais, je l'ai eu aussi. Ah, tu vois, c'est ça, c'est... Les petits lags, je pense que c'est des micro-chargements. Ouais, peut-être. Je pense qu'ils chargent un pan de zone, un truc dans le genre. Ouais, il y a une remorque sur le côté à droite là, mais... Je pense que ça doit être basé sur... Elle est pétée en deux. Regarde, donne-moi ton avis, alors je sais pas si c'est une double remorque sur la droite, à un moment il y a soit une remorque pétée en deux, soit c'est une double remorque. Mais elle est genre en mode V. Alors ça c'est plus une remorque pétée en deux. Ah c'est bien ça, j'ai bien vu. Ouais. Il y avait deux remorques, hein. Il y en a une qui est cassée en deux. Casse. Ah non mais il y en a plusieurs là, il y en a encore d'autres. Il y a une casse en fait. Regarde là, tu vas passer sur une casse. Ah ouais, il y a une casse là, ouais. Effectivement. Il y a des remorques et il y a des bagnoles compressées. Ah mais tu vois en visite, j'avais jamais vu ce coin, il me semble. Bah tu vois les bagnoles compressées? Ouais. La dernière fois, la dernière fois, elles étaient contre le mur. Oui, toi tu les voyais, moi j'avais pas ça. Moi je les voyais et toi tu les voyais pas. Ouais mais je te dis c'est un synchro ça, je pense que c'est pour ça que des fois il y a des problèmes de lag. Parce que ça a pas l'air de synchroniser toutes les données. Alors pourquoi je ne sais pas. Est-ce que c'est une légère variante de config par exemple qui fait qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui d'accord. Une voiture de flic qui me double puis d'un coup elle s'arrête sur la voie de gauche et je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il me double ou il me double pas? En fait il me doublait mais il y a une voiture qui arrivait en face. Ah ouais. Ah si par contre j'ai joué en solo, je te dis la dernière fois que j'ai pas eu de soucis de lag ou de trucs comme ça. Par contre j'ai eu un gros crash. Ah j'étais lancé à fond sur l'autoroute.
Heureusement, j'ai réussi à freiner. Le jus, il a frisé sec, en fait. Donc j'ai dû l'éteindre et le rallumer. Bah, je me suis retrouvé comme toi la dernière fois, au plein milieu de l'autoroute, à l'arrêt. Bon, ils avaient viré les circulations, ce qui fait que j'ai pu repartir tranquille. Mais j'ai eu de la chance, j'ai pas fait d'accident, dégâts ou de trucs comme ça, quoi. Je m'en suis bien sorti. Parce que j'ai appuyé comme un malade sur le frein en étant en ligne droite. J'ai mis pas mal de petits à-coups. Parce que je me suis dit, je sais pas, j'ai dû le pressentir. Et je pensais que ça allait passer, que c'était comme quand nous on l'avait, quoi. C'est ce que j'avais eu la dernière fois. Mais là, pas du tout, non, et le jeu il a frisé, il a crash. C'est vraiment le seul souci technique que j'ai eu. Bah du coup, je vais en profiter pour te raconter mes aventures. Chaque fois ça va tu tourner. Coupes. Ah, c'est pas vrai, tu la remontais pas, tu me parlais d'autre chose, tu me parlais de doublement là. Non, tu m'as Tu me parlais de doublement. J'étais en train de te dire un truc et. Il y a un feu rouge, hein, monsieur. Il y a un feu rouge. Oh, les feux, ça m'intéresse pas. Non, il y a un feu rouge, je vous dis. Oh mon dieu, j'arrive trop vite. Je peux pas m'arrêter. Bah ça m'étonne pas de toi ça. Je vais utiliser ta remorque pour faire ton pont. Tournez à gauche. Bah vas-y. Non. Bah bonne chance alors. Ah il y a un avion là-bas. Certainement de l'épandage. Bah allez vas-y raconte ton histoire. Parce que ouais j'ai raconté 15 histoires, t'en as pas raconté une finalement parce que chaque fois tu pars sur autre chose. C'est faux, à chaque fois tu racontes autre chose. Et les gens sont témoins. Bah oui, justement, ils sont témoins qu'à chaque fois tu parles d'autre chose. Tu manges à qui? Oh, le mec il est passé comme ça. Allez tout droit. Ah ouais, il est là, l'épandeur. Enfin, c'est peut-être pas forcément un épandeur, mais. Ouais, je pense que si. Vu le bruit. Ouais. T'as le camion qui a coupé la route comme ça, il est fou lui. Ça, c'est dangereux par contre. Parce que là, c'est le sens inverse. C'est le non prioritaire qui coupe la route au prioritaire. Heureusement que j'étais pas tout à fait lancé. Allez, vas-y, on attend ton histoire. Ça a l'air d'être une ligne droite, pas de soucis, pas de tournant normalement. Donc. Allez, père Jackie, raconte-nous une histoire. Donc, je partais vers le nord. Ouais. Et d'un coup, je passe à la pesée. Jusque là, normal. Ouais. Tenez la droite. Là, il y a un flic qui m'arrête à la pesée. Ça m'étonne pas. Vu ta gueule. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur le Jean? Il dit, ouais, faut descendre, je vais vous faire souffler. Je dis, oh, quel honneur. Il dit, vous êtes arrivé un peu vite. Dans la pesée, alors. Genre, parce que c'est limité à. Allez, tout c'est limité à 15, je suis arrivé à 45-50. Le mec, ça me plaît pas, quoi. J'ai des freins, je sais m'en servir. Ouais, mais c'est 15. Je souffle. Nickel, zéro. Même si j'avoue que je le fais souvent aussi. Rien du tout. Putain, il m'a fait peur le camion. Mec, il était dégoûté. Il m'a fait souffler, il y avait rien, zéro. Bah, j'espère qu'il t'a mis l'amende pour excès de vitesse quand même. C'est normal, j'étais levé que depuis 2 heures. J'avais bien dormi donc forcément. Pour une fois que Jackie n'a pas commencé sa journée au Pastaga en même temps. Ah non, je l'ai fini au Pastaga donc voilà. Donc, après la pesée, je continue. Allez, entre 500 et 700 mètres plus loin, une petite qui fait du stop. Tu connais mon côté serviable? Bah oui, chevalier que tu es. Ah, je me suis arrêté pour la montée, quoi. Pour enfin, pour l'emmener. Pour la montée. Pour la montée, pour l'emmener, quoi. Tu l'as fait chevaucher ton destrier. Donc
elle monte et tout. Et puis, ah, ça tombe bien, elle me dit qu'elle va dans le nord. Ah, perfect. Perfect, c'était ma route. Je l'emmène et tout. Putain, à un moment donné, je vois un grand flash blanc. Je dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Devine quoi? Tu t'es fait flasher parce que tu roulais trop vite. Je me suis fait flasher. Mais j'ai pas senti la pédale sous mon pied. La petite, elle était en train de me lucer la marionnette. Et puis... Non mais je t'ai déjà expliqué un truc, quand tu te fais lustrer la marionnette, explique-leur qu'il faut pas buer sur la jambe droite. Non mais c'est moi, c'est ouais c'est peut-être buer sur la jambe droite, je sais pas, j'étais bien, j'étais posé. Ah, déjà dit. Et j'ai pas mis mon régulateur sur ce coup-là. Voilà, bah oui, parce que tu vois, après ça pose problème, parce qu'après on t'appuie sur la jambe droite, hein, et puis ça reste appuyé, tu fais pas gaffe. Hein, t'as plus les yeux rivés sur le cadran de vitesse, et là, c'est la petite qui a appuyé ta place sur ta jambe. Par contre... Bah, ça appuie sur la pédale, bim, tu te retrouves à 70 au lieu d'être à 50. Par contre, je sais pas c'était la fille de qui, mais... Ah putain, elle aime la bite, hein. Excuse-moi du peu, mais ouf. Je pensais que c'était une fan de marionnette, tu m'as dit. Oh là, bon, c'était une fan. Elle l'aime lustrée, hein, franchement. Elle t'a ciré la marionnette. Oh, elle avait un pompeur d'aspirateur à la place de la bouche, je te raconte pas. Oh, elle te tient le bazar, elle veut te lâcher, hein. T'as voulu dire, oh, papa, c'est bon, j'ai fini, t'as tout aspiré, non, continue. Non, c'est le genre à le dire, il faut plus qu'il reste une seule goutte. Ah, bah. Ah oui, elle est propre. Là, quand elle nettoie, elle nettoie. Hein. Je suis désolé, mais. Elle a raison, moi, elle a payé son billet, tu l'emmènes, un petit geste, sympa, tu vois. Ah, là, elle était pas obligée. En tout cas, je sais pas ce qu'elle va faire plus tard, mais. Sa voie est toute tracée. Dans le porno, elle va gagner des billets et des millions. Ah oui. Un bon petit corps tout ferme comme ça. Avec un aspirateur à place de la bouche. C'était un Dyson, tu sais. Ah, j'ai cru que je me faisais sucer par un Dyson, sérieux. J'ai jamais collé ma queue dans un aspirateur, mais j'ai cru que c'était un Dyson. Avec son côté cyclonique et tout, non mais oui, c'est... Ah, tu sais quoi, je me suis fait flasher, je n'en veux même pas. Sur le coup, j'ai cru que c'était... C'était le paradis qui venait rechercher son ange en disant t'as bien fait ton taf, maintenant il est temps de rentrer. Non mais c'est bien ça, gay les voyages. Hein. Tu sais c'est quoi le plus beau? Non. Vas-y, je s'écoute. Au moment où je la ramène, elle me dit tiens, je te file mon numéro, si tu repasses dans le nord, passe me voir. Bah imagine, elle veut se faire un petit trajet pour aller dans le sud. Ah bah ouais, y a pas de souci, hein. Moi j'ai, comme je le dis, hein, une sucette pour quelques kilomètres. Quand elle veut, elle reprend ma queue pour une choupa choups, hein. Jackie. Ah mais t'as la gauche. D'habitude, ouais non mais je comprends pas. D'habitude j'ai le régulateur, je me fais pas flasher, mais là. Ouais non mais je comprends, c'est un oubli. Un oubli. T'as été pris au dépourvu. Oh là là. Je pense que j'étais pas arrivé à la vitesse maximale avant qu'elle commence. Et dès qu'elle a commencé. Elle s'est lancée avant toi, quoi. Oh là là. Elle a une bouche, on dirait une perfusion.
j'avais même pas retenu son prénom. Était-ce le plus important ? Non. En même temps, t'as pas besoin de l'avoir sur le bout des lèvres. Ah, le désert. C'est quoi ? C'était Freeway ? J'ai pas réussi à lire. J'ai pas lu. Moi, j'ai pas vu si c'était Speedway ou Freeway. Je lis pas les panneaux si c'est pas un chiffre. Bah, moi je lis de temps en temps. J'essaye de décoder. Par contre, il y a des gros nuages, ça pourrait sentir la pluie. On retourne à gauche. Ouais. Mets-toi sur la voie de gauche. C'est ce que ça me dit. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Attention, ça freine sec. Ah oui, c'est un feu rouge. Comment ça, un feu ? Un feu rouge en plein désert. Bah, je sais pas, il y a de la verdure en face. Il y a de la montagne et de la verdure. Tournez à gauche. Putain, c'est les deux mêmes voitures devant qui tournent à gauche. Ouais, c'est Tipar. Oh, le camion. Calme-toi, camion. Fais gaffe, la voie rétrécit. C'est pas une double voie. Ah oui, oui, non mais... Non mais pour te dire que ça sert à rien de te mettre à droite, quoi. Voilà, c'était pour que si tu voulais couper direct à gauche, c'était bon. Ah ouais, c'est vrai que c'est cool ici, c'est du 70. Ouais. J'aime bien cette zone pour ça. On est sur de la petite route. Ouais. Ça roule bien dans le coin. Ah, ça fait longtemps, je crois que j'ai pas été par contre, dans le Nevada en plus. Ah si, j'ai livré des cadeaux, je crois, dans le Nevada. C'est 55. Ah ouais, maintenant c'est 55. Ouais, ça a changé. Ah, c'était pas 55 il y a deux secondes. Putain, j'espérais me faire un 65 miles sans fin. Et pourquoi pas un 69? Bah parce que t'es déjà vidé, donc voilà. Je vais pas aller ramasser une petite, tu vas devoir m'attendre après. Comment ça, je suis déjà vidé? Je t'ai dit que c'était la dernière fois que ça m'est arrivé. Aujourd'hui. Ouais, je serais pas étonné que avant de partir, je sais pas où tu traînais, là t'étais déjà à Salem, ça me paraît étrange. Ah non, j'étais chez moi. Enfin non, j'avais garé le camion sur un parking en face de. Ouais. Un peu plus loin de. Un peu plus loin de la société parce que j'avais mis la. J'avais réparé et j'avais mis de l'essence hier. Ouais, le mec, je retrouve une station essence et il veut me faire croire que. Non, attends, non, c'est hier. La dernière fois que j'ai roulé. Moi, c'était avant-hier. Ah bah, je t'ai vu jouer avant-hier aussi. Bah, c'est ça. Ouais, pas dimanche. Bah, non, pas hier. C'était samedi, je crois. Puisque j'ai fini mes livraisons de cadeaux. Oh, 45. Ouais, ça doit être à cause des virages. Oh, ouais. On arrive dans une petite bourgade ou un truc. Non, c'est surtout les virages. Il y a des petites maisons à gauche. Ouais, mais il n'y a pas de route. Ils auraient pu te l'annoncer pendant les après. Hein. Oui, non, mais t'es prioritaire. Regarde, c'est 55 derrière, donc c'était pas grave. Je pense que c'était plus l'enchaînement de virages et la route bosselée. Par contre, j'aime bien cette route neuve là, ça c'est stylé. C'est agréable. Ouais. C'est vrai. Oh putain, la petite montée derrière là qui fait un peu mal. Il y a de la voiture devant, hein, j'annonce. Ça roule pas vite. Donc, te lance pas. Hein. Oh putain, ouais, ça avance pas du tout. Ah ouais, effectivement. Ah bah.
tenez la droite. Tenez la droite et continuez tout droit, ça nous a dit. Avec de la chance, on va peut-être. On tourne pas à droite. Ah oui, non, oui, ouais, c'est. Bon, c'est bon, on s'est déjà débarrassé des deux voitures qui avançaient pas. En gros, c'est tourné pas. Un camion devant. Oui, oui, c'était pour te dire. Oui, mais c'est au cas où tu le regardes pas. Bah, imagine, il y a un aveugle qui conduit. Je conduis, si je vois qu'il y a, des routes qui tournent à gauche et à droite, je regarde. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai failli t'embrasser. Oh là là. Putain, pourtant, je roule assez vite. Hein. J'étais au-dessus de la vitesse. Non, dès que je vois qu'il y a des virages à droite et à gauche. Pauvre passe de moi, je regarde tout de suite mon GPS pour voir si. Hop, on va mettre mode régulateur. Born to be USA. Attends, tu roules à combien là? 55. Attends, je suis à 65, j'arrive pas à te rattraper. Oh bah y'a un problème alors. Parce que là je suis à 57 avec la pente. Ah ouais, c'est bon. 56. 55, voilà, ça y est, je suis revenu à 55. Et pourtant, t'étais quasiment collé à moi. C'est vrai que je te vois plus dans mon rétro, comment ça se fait? Si, je suis derrière toi. Bah, et même quand je tourne, merde, je vais me prendre un truc juste pour regarder. Et pourtant, je te vois pas, alors je te voyais il y a deux secondes. Regarde sur ton GPS, je suis juste derrière. Ah ouais, non, mais sur le GPS, je te vois. Mais je regardais dans le rétro. Juste avant, je te voyais, avant que tu me dis je roule à 65, et après, je te voyais plus. Donc ouais, c'est assez étrange, si tu roulais 10 miles de plus que moi... Ouais, non, mais je suis bien. Je trouve ça douteux. Je t'ai rattrapé, mais je suis bien. Je fais une bonne distance. Ouais, t'as mis une sécurité, quoi. Ouais. Comme j'ai fait tout à l'heure, t'as mis la petite distance de sécurité, 50. On va tourner à gauche. Préparez-vous à tourner à gauche. 35. Tournez à gauche. Ah ouais, là je te vois dans mon rétro. C'est cool, ça fait deux fois qu'on se fait une petite sortie assez longue quand même. Là on est sur du quasiment 900 miles, la dernière fois on avait fait du 1000. Un peu plus je crois. Donc c'est plutôt pas mal, mais là cette fois-ci je trouve que ça va, ça se déroule bien. On n'a pas de soucis techniques sur ce parcours, alors que sur celle d'avant qui était un petit parcours, j'ai eu des petits soucis. Bah on s'entraîne. Ouais, non mais je veux dire des soucis de synchro, tu vois, soucis techniques quoi. Comme mais ça là, dans quelques années on pourra faire un coast to coast. Bah espérons qu'un jour on y ait droit, ouais, ce serait cool, hein. Ce serait vraiment un objectif final de ce truc, c'est qu'un jour réussir à traverser les États-Unis. Ouais, faire un... Bah déjà, c'est clair, déjà ouais, un... Faire une session spéciale, tu sais, ouais, 1500 miles ou un déjà truc comme un ça. Déjà un Los Angeles, New York, ce serait ouais. La base, et puis après on ferait un... En haut à gauche, le Port Angeles... Et bah la Floride. Ah tu fais ça en biais toi. Bah oui c'est. Tu coupes la map en biais. Bah ouais, le plus haut à gauche ouais. Et le plus bas à droite. Ah que ça fait du bien de rouler à 65. Ah oui merde, j'étais encore à 55. Non, t'as le droit de rouler à 65, ça y est, c'est parti. Tu peux te faire plaisir. En espérant qu'il nous baisse pas sur la Caroline. Sur la Caroline. Pourquoi? Bah, il y a la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Ouais, qu'il le fasse en deux fois. Bah ouais, espérons qu'il sort le DLC Caroline et t'as les deux. S'il nous carotte là-dessus, il carotte sur le Dakota aussi alors. Bah aussi. Parce que le Dakota, il est en dessus.
Je crois que le Dakota est plus petit que la Caroline. Ouais. Je crois que le ouais, Dakota, ce serait mieux qu'il le fasse en 1. En et Caroline, ouais, peut-être en 2. Préparez-vous à tourner. Mais attention, il n'y a pas de route en face, hein, donc arrive pas comme un taré, c'est un stop. Ouais, mais il y a une route à gauche. Ouais, c'est ce que je te dis. Mais on peut pas y aller. Bah, on est tourner surtout pas prioritaire, quoi. Attends, je vais laisser pas. Mon... Mais c'est bizarre la route. Je la vois pas sur mon GPS, mais elle va sur. Il y a une route à gauche. Ouais, il y a un petit bout de route sur le GPS. On peut y aller, ça veut dire. Ouais, parce que je sais pas si. Et tu regardes. Bah, je sais pas, mais il doit y avoir un truc. Ah non, pas on bloqué. Peut pas, il y a. Si c'est bloqué, je viens de voir, il y a des. Ah, il y a des croix. Ils sont plus loin, les croix alors. Non, non, ils sont juste là. Oh putain, bah, je les voyais pas moi. T'as réussi à passer avec le camion là? Bah, les deux camions sont passés. Derrière. Ah merde. J'avais essayé de bloquer un peu la route en t'attendant. Ah, il y a le train qui passe ici, non? Ouais. Putain, cette montée des enfers. T'as besoin d'essence ou c'est bon? Je suis à la moitié. Ouais, on est bien, moi aussi, il reste 200 miles. Ouais, c'est bon. Fais gaffe, c'est 35 dans le coin. Bah, j'ai un mec qui transporte des ballots de paille. J'ai pas de. Je sais pas comment on appelle les. Si, les ronds, c'est les ballots de paille, mais les en carré, c'est des ballots de paille aussi. Bah, normalement, oui. Ouais. J'ai du ballot de paille. C'est la forme d'hiver. Diverge, c'est énorme. Hein? Je dis diverge, c'est énorme. Enfin, oui. Attends, il y a un truc pour réparer, j'irai bien à cause du truc de tout à l'heure. Merde, c'est combien le. Ah oui, c'est 30. C'est passé à 25. Moi où je suis. J'avoue que j'hésite à aller au truc de réparation là. C'est toi qui vois. Bah, disons que c'est sur notre route, ça fait découvrir un petit bout de route. C'est où, c'est là? C'est sur la gauche. Allez, je me fais ça vite fait. Alors, en même temps, je vais te dire pour combien j'en ai. Ah bah, j'étais pas loin tout à l'heure, hein, 1350$. J'avais dit entre 1000 et 2000. Tu vois, je t'ai dit, je me ferai pas les 4000. Je me suis fait 3005, ça veut dire tout à l'heure. Ok. Hop. On est reparti. En plus, il y a la place pour faire le demi-tour, et puis ça m'a débloqué la voie. Attends, il y a un camion qui arrive. Ah ouais, c'est des voitures garées, ça. Vas-y. Ah ouais, t'as bloqué la voie, joli. Je sais pas si j'avais le droit de faire ça comme un sauvage normalement. Non, on n'a pas le droit. Ah ouais, je me disais bien. Il y a une ligne jaune au milieu de la route, t'as pas le droit de la couper. Ah ouais, j'ai pas le droit de couper la ligne, c'est bien ça. Attention aux piétons. Rappelez-vous de l'histoire des poussettes. J'en vois que. Putain, j'ai mis hein, dans les options les piétons, j'en vois que dalle. Ah, moi j'en vois jamais aussi, ouais. De temps en temps, je vois 2-3 gars sur des chantiers, des trucs comme ça, mais sinon il y a. C'est ça, il y a des genres de gardiens aux usines ou des portiers là. C'est ça qu'ils veulent mettre. En fait, j'ai vu un mec qui disait dans les. Je sais plus où. Dans une vidéo ou dans des commentaires. Qui voudrait bien qu'ils rajoutent plus de piétons. Dans les prochains DLC. Dans les prochaines mises à jour, pardon. Mais. J'avoue, ouais. Des fois, genre, je me dis ouais, à quoi ça sert, mais c'est vrai que ça ferait un peu de vie. C'est, oh putain! Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu de vie, et je pense un côté un peu plus simulation, le fait que tu dois peut-être des fois t'arrêter pour laisser traverser, tu sais. Oui. Genre en ville et tout, ça t'oblige à faire attention. Ça, ce serait cool. Je pense que c'est l'idée. Hein.
Ah, je me disais, merde, c'est... D'accord. Parce qu'il commence à pleuvoir. Ah non, je croyais que c'était comme moi, j'ai oublié d'accélérer. Non, j'ai eu j'avais pas vu le compte 5. J'ai eu une chute d'FPS. Ah, il pleut. Bah, je t'avais dit que ça allait finir par pleuvoir. Je t'ai dit que les nuages depuis tout à l'heure, là, quand on était au niveau de la montagne, là, ça annonçait pas du bon. Ouais, mais c'est bien, on aurait eu du beau temps, on se finit sur une petite pluie, je trouve ça cool. Bon, la dernière fois, on a vraiment eu l'orage, quoi. On va voir si là on a pareil, parce que ça devient de plus en plus sombre. On a le droit de rouler jusqu'à 70, mais fais gaffe comme il pleut. Bah, j'ai envie de te dire, le camion, de toute façon, il montera pas 60. Putain, le sable qu'il y a au milieu de la route. Ah, bah oui, on est dans un truc un peu désertique. Ouais, il y a du vent, la route elle est vachement dégueulasse. Quoi. Putain, ça avance pas devant. Allez, con, il roule à 50. Putain, j'ai été lancé, moi, j'étais bien là. Et là, je peux pas doubler, il y a au moins 3 voitures et un camion. Ah, d'accord, je me disais pourquoi ça ferait des plus. J'avais envie de dire, j'aurais pu couper, tu vois, sinon doubler. Comme je viens, de remettre le freinage hydraulique automatique. Quand je relâche l'accélérateur, ça freine. Ah oui. C'est pas plus mal. Oui. Ça aide parfois. Les cons, ils accélèrent et ils vont désaccélérer. Non, non, c'est bon pour l'instant. Allez, encore 160 miles. Une traversée qui va nous coûter environ 1h10 quand même, mine de rien, pas mal. Un beau petit voyage. Ouais, donc pour l'année 2022, j'attends de voir ce qu'ils nous proposeront, mais j'espère qu'ils vont. Putain, ils sont tarés, ils m'ont fait freiner, alors que ça roule, c'est 45, ils m'ont fait freiner à 30, ces couillons. Pardon, j'espère qu'ils vont nous faire des bonnes petites mises à jour. Bah, ils avaient parlé de l'AI Trafic. Ouais, on en avait parlé, ouais. J'espère qu'on va l'avoir assez vite. Oui, il y a les saisons normalement qui doivent arriver. Et j'espère qu'il y a le truc entreprise, gestion d'entreprise qui va arriver aussi. On verra ce que ça donne. Espérons du bon, parce que ce jeu il est vraiment cool. Hein. Je trouve qu'en mode détente, c'est vraiment super agréable. Ouais, j'espère qu'ils rajouteront des features pour améliorer le jeu. En plus, on a toujours des sessions soit mode simulation, vraiment comme là où on conduit bien, et des fois t'as les sessions imprévues où il se passe des trucs qui font que tu te tapes des fous rires, quoi. C'est vrai. Ah, il y a des fois. La surprise, le camion qui vole. Et c'est vrai que je trouve ça cool justement d'avoir ces deux salles, deux ambiances. On peut le dire. Mais s'ils peuvent régler le trafic, les mecs ils sont plus intelligents, moins cons, enfin je ne sais guère, mais plus aussi le côté un peu réaliste, mode heure de pointe, la nuit y a personne, des trucs comme ça. Ouais, adapté par rapport à où tu te trouves, à quel moment de la journée. Ouais, non, mais c'est vrai que ce serait cool. Mais ouais, mais c'est peut-être des ajouts qu'on verra dans le temps. Hein. Le côté saison aussi, qui ferait bien plaisir. Ouais. Et tu sais que, en parlant de ça, j'ai passé enfin la centaine d'heures, sur le jeu. Ça y est. Je suis un centenaire. Ça fait déjà 100 ans. J'ai vu ça. 100 heures. Ouais. Bon, mine de rien, bah, c'est 100 heures où je me suis bien amusé. Hein. Bon, il y a une partie où on jouait pas, on discutait, où on a eu des soucis techniques, certes, mais, ouais, mais franchement, dans l'ensemble. Ouais, vraiment.
bon petit moment. Sachant qu'il nous reste encore Colorado et Wyoming à découvrir, que bah, l'Utah et l'Idaho, on n'a pas encore. Moi personnellement, en tout cas, j'ai pas tout vu. C'est ça. J'ai quasiment même rien vu. Colorado, Washington, Wyoming, il y a encore pas mal de choses aussi. Et cette année, en début d'année, voire jusqu'à bah, Texas, ouais, mi-d'année, je crois. Texas et Montana. Ouais. Donc, encore pas mal de choses à voir. Hein. Ça freine. Ah oui, c'est 50, je crois, non? Ouais, ça. 55? Non, c'est pas. Ouais, ça passe à 50. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Je sais pas, une ville? Ça change tout le temps. 45? Non, mais il doit y avoir un truc devant. Je pense qu'il y a une ville. Ah ouais, une petite bourgade. Ah bah si, il y a une petite bourgade. Ouais, ouais, c'est 25. Ah ouais. Oh putain, ça avançait déjà pas alors là, le 25, les mecs ils roulent à 20 quoi. Et on va tourner à gauche. 5. Ouais, mais je pense qu'ils vont aller tout droit, en espérant. Bah j'espère, ouais, parce que tout ce qu'il y a devant moi, il me bloque la route depuis un moment. Hein. Oh putain, non, il y en a un qui va tourner le camion, non? Allez, s'il te plaît. Après, le côté... Déjà, là où on travaille, en fait, dans nos entreprises... Il y en a un qui a tourné, déjà. Dans nos entreprises, ça manque de... Bah déjà, de PNJ qui... Tu sais, les PNJ, comme sur les... Oui. Les chantiers, tout ça, juste même un ou deux mecs qui sont... dans un coin, voilà, en train de parler ou faire un truc. On a gardé qu'une voiture devant nous. Et le fait de croiser nos employés aussi, ça peut être... Oui, ouais, c'est vrai que ce serait rigolo. Bon, après, ça dépend, hein, parce que j'ai vu des mecs, ils avaient acheté une entreprise dans chaque ville. Ils ont je sais pas combien d'employés. Genre minimum. Ouais, mais ils sont... 4. Ils sont beaucoup au repos. Ouais, mais bon. Tu sais, quand t'as... une vingtaine de sociétés avec 4 employés par société. Oui. Le fait que... Bah, c'est pas grave, hein, c'est juste des PNJ comme les autres, on croise des camions tout le temps, hein, si tu regardes bien. C'est juste que tu mets genre c'est un nom, le mec il se promène là dans le coin et puis c'est tout. Hein. Je pense pas qu'après que ce soit plus dérangeant qu'autre chose, quoi. Ah ouais. Allez, c'est bon, on est lancé, la voiture devant elle roule. Ça fait plaisir. La pluie devrait peut-être s'arrêter bientôt. C'est fait. Ah ouais, bah moi à l'instant. Non, non, ça pluviote encore un peu. Non, pas beaucoup, mais un peu. J'entends plus. Bah moi là, ça vient de s'arrêter, je crois. J'ai mis les essuie-glaces au ralenti, mais ça a l'air d'être bon. Mais c'est encore un peu grisou devant, donc on sait jamais. Allez, mine de rien, on est presque arrivé à 60 miles. Ouais. Il y a un accident ou quelque chose. Ouais, il y a un camion renversé. Ça freine. C'est un de tes employés, ça? Non. J'ai pas d'employé dans le coin. Mais si, quand tu comptes. C'est fou. C'est pas toi, en plus, dans le désert, ici, dans ce même Nevada, qui a fait Superman avec le camion? Ah, il me semble que si, ouais. Peut-être, ouais, ouais. Je ne sais pas, non, je pense pas. Si, j'ai les replays. Non, je sais plus. Fais gaffe parce que je fais des petits montages en plus des fois. Tu sais que la fameuse vidéo où je te rentre dessus au feu rouge, elle est sur mon bureau. Elle dure, je crois, moins d'une minute. Elle est sur mon bureau. Ce petit passage j'ai coupé. Le fameux passage où je suis au feu rouge et tu me défonces la gueule et tu retournes sur le camion. Ouais.
Ah, j'adore me la refaire des fois. Je l'ai épinglé sur Twitter aussi. Et que j'ai la... Ah, il y a des ballons, il y a un festival de ballons en gauche. Ouais, il y a des montgolfières. Tu sais ce qui manque aussi? Non, t'as le bus qui roule à gauche et qui double pas, quoi, s'il te plaît. Dans le Nevada, droit, il manque le... Enfin, je sais plus si c'est au Nevada. Mais il manque le festival Burning Man. Ouais. La nuit, tu passes et tu vois le Burning Man en feu. Des trucs à la zone 51, ça pourrait être... Aller tout droit. Ouais, ce serait cool, ouais, des petits délires comme ça. Genre livrer des pièces secrètes ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. On livre bien l'hélico de combat, il me semble, normalement, dans les trucs lourds. Donc pourquoi pas ça? Genre ce serait des trucs chargement ultra secret, il faut l'emmener... Dans la zone 51, ouais, ça serait délirant. Ouais. Même avoir un camion plateau, tu sais, avec un ovni. Ouais, sous une bâche, mais tu reconnais bien la forme. Ouais. Et tu dois l'emmener de la zone 51 jusqu'à un autre endroit. Pas un port ou... On va se sortir. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ou un aéroport. Sortez à droite. Fais gaffe, le panneau il annonce 35 hein, pour la sortie. Allez tout droit. Ouais, c'est pour dire ralentissez les gars, n'y allez pas comme des chocos. Non, non, ça passe bien à 35 quand tu sors. Ah, tu rentres en ville en fait. Il y a un casino. Il y a un panneau de casino. On y arrive. Bah, je te dis, bah ouais, 3 miles. Il y a des donuts à gauche. C'est au bout de la rue. Ah oui, mais on va livrer au Walmart. Non? Il me semble, ouais. Je sais plus. Ah, déjà, bon, on vient de Walmart. Puisqu'on a les camions Walmart. En tout cas, ça s'est superbement passé, moi je trouve. Hein. Ça, ça a été cool. Ouais, ouais, c'était. Il y a eu des petits imprévus. Les petits trucs, feu rouge. Un petit feu rouge. Ah, bah, il y avait une réparation ici. Bon, il faudra penser à remettre de l'essence pour la prochaine fois, par contre. Tiens, c'est écrit quoi à droite sur le panneau? Allez tout droit. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est écrit. Fluffy Razor Live Tonight. Livrer et aller voir Fluffy Razor. Yeah. Allez, on est presque au bout. Un miles. Merde. Ah, il y a même une station essence à côté, ça c'est cool. Bah, on était dans le coin, je crois, la dernière fois qu'on est venu ensemble ici, en plus, il me semble. Je pense. Ouais, je crois que je t'attendais sur ce parking là où il y a tous les trucs de repos et la pompe. Ah et oui. Il y a même la pesée ici. Ah, tu. Je crois qu'il y a une fois je t'attendais ici. Tu te souviens de. Du parking de. Tenez de la gauche, puis tournez ouais. À gauche. Ah, c'est ça que je vous parlais, monsieur. Dans World of Truck, tout le monde s'arrête là. Ouais. Tournez. Pas dans World of Truck, sur Truck RMP, bon. Ouais, une fois je t'attendais là. Je sais plus pourquoi. Quand tu passes à côté, il y a tout le monde qui parle. Ah ouais, on était venu livrer ici. Et il y avait plein de gens qui venaient livrer, ouais. Alors elle est où l'entrée? Tout droit? Ouais, c'est ça, je vois le point vert devant. C'est Walmart. Voilà. Ouais. Mais non, il y a de la marge. Enfin, il y a de la marge.
y a le truc de collision normalement. Eh ben c'est pas mal, hein. Ça nous fait un petit 40 000 $ quasiment. Ça fait plaisir. Ça fait que j'ai passé les 850 000 $, hein. Je suis bientôt à 900 000. Ça fait plaisir, plaisir. Ouais. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pénalité de dégâts. Ah, c'est pas quand tu m'as rentré dedans? 1,6%. Tu m'as rentré dedans, je crois, au tout début, justement. J'ai perdu 2 430 $. Mais bon, ça me revient. C'est ballot. Je suis quand même à 35 000, donc. Ouais, ça va, c'est pas mal. Et puis, c'était une belle traversée. Puisque j'ai le. J'ai le bonus de livraison longue distance. On va save. Ben voilà, c'était une belle session. Tac. Ouais. Bon, on s'est fait un petit, allez, j'arrondis un petit 40-45 000 $ avec la première livraison. La première, c'était pour s'échauffer, faire un petit tour de piste. Mais là, ouais, une petite traversée d'1h10. J'ai fait l'épisode en une seule fois, tiens pour te dire. J'ai pas fait de coupure. Je me suis dit, tant pis, Osef, on se la joue livraison, on se la fait en une fois. Parce que ça m'est déjà arrivé de le faire. Bon, des fois en trois fois, quand c'était vraiment des très longues livraisons. Mais j'avoue que là je voulais la tenter une traite, 900 miles. Ah, j'ai découvert 1,07% en plus de cartes, c'est cool. Je dois avoir vu que 50% de la carte hein, quand même, sachant que j'ai même pas tous les DLC. Mais ça veut dire qu'il me reste quand même pas mal à découvrir. Hein. Ça fait plaisir. Lui il est bien, lui il avance bien, lui. Lequel? Georges. Georges. Ouais. Putain, les bagues elles me font souffrir sa mère. C'est atroce. Georges, il avance bien. C'est mon premier en même temps, je crois. C'est pas mon meilleur noté, mais c'est mon premier. Je crois que c'est mon premier, ouais. Ouais, une fois qu'il aura fait ça, que ça sera à fond. Je le fais finir ça, ça, ça. Et après, je le mets ici. Après, je le mets ici pour finir. Ah, il dort. Ok. Il est parti se coucher, lui, alors qu'il est en... Il est en train de livrer un bagalo. Ouais, mais ça va être le soir dans le jeu. Parce qu'on est arrivé vers 20h, je crois. J'ai pas fait gaffe à l'heure avec elle. En plus, de toute façon, il commence à faire nuit. Nous, quand on arrivait. Donc, je pense que c'est à cause de ça. Parce que sinon, c'est une pause. Putain, j'ai regardé. Je regarde ma sauvegarde. Semaine. 1776. Ah bah j'ai regardé ça la dernière fois, je crois que je suis dans ces eaux là aussi, 1300 ou 1400 il me semble peut-être moi. J'ai un doute mais dans ces eaux là de mémoire, c'était dimanche. Et bah c'était sympa. Hein. Sur ce, bah on va s'arrêter là. Tout à fait. J'espère que ça vous a plu. Bah bon, oui, l'épisode est un peu plus court, mais c'est parce qu'il a eu des problèmes de PC juste avant. Pas si court de beaucoup, hein, quand tu regardes bien, parce que vu qu'on a dépassé 4h30, donc finalement, on a presque compensé la perte. Ouais, hein, c'est vrai. À 10-15 minutes près. J'espère que ça vous plaît toujours autant. C'est juste qu'on a fait une première course très courte, mais qui était plus lente à faire, mais on a un petit trajet. Et puis on a fait un gros trajet en compensation, voilà, c'est la seule différence. D'habitude on aurait fait 2-3 trajets moyens en moyenne. C'est ce qu'on fait. Hein. Donc, pour ceux qui sont sur le live, allez checker ma chaîne YouTube qui est juste en dessous dans la description.
Enfin, dans la description, vous, en bas de la truc. Et ceux qui regardent la rediff sur YouTube, bah, sur ma bannière, il y a mon lien Twitch normalement. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bah, à la prochaine, Shaki. À la prochaine, Michel. Ciao, ciao.